Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mardi 6, il est 9h02, j'ai amené les enfants à l'école, je me suis préparée, maquillée, etc. J'ai rendez-vous donc comme je vous ai dit dans mon vlog hier, si vous avez suivi, chez la gynéco à 11h, sauf qu'il faut que j'aille chercher le kit, le fameux kit de dépose pour l'implant en pharmacie avant. Il est disponible à partir de 9h30, donc je vais pas tarder. Je vais fignoler le préparage, si vous voyez ce que je veux dire quand on va chez la gynéco. Mettez un pouce vers le haut si vous savez de quoi je parle. Voilà, donc je vais fignoler ça. Et on est parti. Je vais faire un petit coup de ménage aussi avant de partir, nettoyer la table du petit-déj. Et on est parti. Allez, à toutes. Bon, là il est 10h moins le quart, je vais mettre ce fameux patch que je n'ai jamais mis de ma vie. Voilà, je ne sais pas trop. Là j'ai le point en fait de la cicatrice, elle m'a dit de le mettre en plein milieu, donc écoutez, on va faire ça ensemble. Bizarre ce truc. Sur la notice, c'est marqué qu'il fallait pas appuyer sur le milieu, mais appuyer bien fortement sur le côté là. Bon, voilà, voilà. Franchement, j'ai jamais mis ça de ma life, hein. Franchement. Je sais pas si je l'ai bien mis, on verra. Hop. Allez, c'est là que je fais une réaction. Bon, ça y est les amis, je suis enfin garée. Si vous saviez le périple que c'était pour chercher ce kit de retrait en pharmacie. J'ai tourné pendant environ 3 quarts d'heure dans la ville pour trouver une place. C'était une catastrophe et encore, j'ai pas trouvé une place. Je me suis mise sur une place où il y avait les croix jaunes barrées, mais bon, il n'y avait pas de garage ni rien, donc je m'y suis mise, j'ai mis les warnings, ouais, je sais, c'est pas bien, tout ça, mais voilà, je préfère faire ça, parce que j'en ai eu pour 3 minutes, c'était juste à côté, bon, bref. Ne me jetez pas la pièce, s'il vous plaît. Non, mais c'est parce que ça faisait 3 quarts d'heure que je tournais, et que j'avais trop peur d'être à la bourre, et que bah, c'était la seule solution. Non, franchement, je vous jure, c'était une cata. Il y avait un monde, mais un monde. Mais il y avait des voitures espagnoles de partout, je comprends pas. Pourtant, c'est pas encore les vacances. Je sais pas, il y avait des voitures espagnoles de partout. On est mardi, je comprends pas pourquoi il y a tellement de monde, mais bon. C'est un truc de fou. Le monde qu'il y a, déjà là, je vois toutes ces voitures, ça m'angoisse. Parce qu'à vrai dire, moi, le monde... c'est compliqué pour moi, tu vois. Mais bon. Je suis garée, j'ai mon kit de retrait, je suis un petit peu en avance, donc je reste un petit peu dans la voiture. Par contre, je dois faire pipi. J'en ai marre. Sérieux, j'en ai marre. Je dois faire pipi. Et j'ai pas envie d'aller faire pipi avant d'aller chez la gynéco. T'as compris?
Bon, allez, on se retrouve tout à l'heure. Bon, il est midi 19, je sors de chez la gynéco et comment vous dire que je suis pas bien du tout. Je tremble, elle a pas pu me l'enlever l'implant. En fait, si vous voulez, le patch M là, moi elle m'avait dit de le mettre au milieu de la cicatrice de l'implant. Donc j'ai bien mis au milieu de la cicatrice, sauf que on s'est rendu compte que la cicatrice, en fait, elle était vachement éloignée de l'implant. Et moi, j'avais pas touché mon bras pour voir où est-ce qu'il était, en fait, l'implant. Elle a dû me faire une piqûre anesthésiante. Ça a été une cata parce qu'en plus, la première aiguille qu'elle prend, elle se casse. J'avais envie de dire, cherche pas, c'est moi, chat noir, c'est normal. Bref. Ensuite, elle me fait la piqûre, elle commence à m'installer le champ, à m'ouvrir. Alors, je sentais quand même un peu, en fait. Hein. Elle m'a dit, je vous ai pas mis beaucoup de produits, mais le nécessaire pour vous retirer l'implant, machin. Et il y a des gens qui voient mes cornes. Et du coup, attends, ça me perturbe parce que du coup, il sourit, là. Et et donc du coup elle installe le champ, machin, et elle commence à ouvrir. Et elle commence à fouiller, et elle pendant une bonne vingtaine de minutes, elle fouillait, et je vous jure, je commençais à me sentir mal, je commençais à avoir des bouffées de chaleur. En fait, ce qui m'a fait me sentir mal, parce que je vous ai déjà dit, je suis pas douée, et d'ailleurs elle me l'a redit aussi encore, la gynéco, elle m'a dit, donc vous êtes pas douillette, hein, parce que je vous ai pas mis beaucoup de produits anesthésiants, et pourtant, vous dites rien. Je dis, non, je le sens, mais ça fait des petits pics, quoi, ça fait pas mal, quoi, ça fait pas mal à en crier, quoi, bref. Et elle me dit, j'arrive pas à le trouver, en fait, parce qu'en fait, il rebique, il est vachement profond quand même, le bras a enflé à cause de l'anesthésie, j'ai du mal à le sortir, j'arrive pas, et je voyais qu'elle s'agaçait, en fait, et qu'elle arrivait pas, quoi. Et sur le coup, moi, je commençais à vraiment me sentir pas bien. Donc, comme je vous ai dit, bouffée de chaleur, tremblement et tout. Et j'ai dit, par contre, je suis désolée, mais j'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes, je suis pas bien du tout. Donc, oh là là, la panique, elle a commencé à me lever les jambes, je me suis mise sur le côté gauche. Panique. Donc après, ça allait mieux. Donc, du coup, je me suis remise sur le dos avec les jambes quand même un peu surélevées. Enfin, vous savez, pliées, quoi. Et elle me dit, je vais retenter, je vais réessayer. Donc je sentais qu'elle avait fait une autre incision, ça me stressait. Je sentais le sang couler, en fait, et je sentais qu'elle épongeait, et ça me perturbait vraiment parce que voilà. Moi, c'est pas le fait que le sang coule qui me perturbe, c'est le fait d'avoir du sang, beaucoup de sang qui coule qui me perturbe parce que je me sens vite mal. Donc voilà, donc en fait elle a pas pu le retirer, elle m'a dit je suis désolée, je peux pas le retirer aujourd'hui, on va le faire avec une infirmière, elle va vous faire ça, on va faire ça un mercredi matin, je vais prévoir machin, voilà, parce que en fait la piqûre, quand elle me l'a mise, apparemment ça a fait gonfler mon bras et c'était impossible de le trouver. Pourtant elle le touchait, elle arrivait à le toucher, elle arrivait à le sentir l'implant, mais elle arrivait pas à le sortir, quoi. Donc voilà, donc encore une fois, ça tombe sur moi. Je vous avais pas dit quoi ce matin? Je vous avais dit qu'il allait se passer un truc, que ça allait pas se passer comme il faut. Parce que pourquoi? Parce que ça se passe jamais comme il faut avec moi. Jamais. Ça peut jamais bien se passer et bien se dérouler. Encore des personnes qui ont vu mes cornes. Ah, c'est quoi ça? C'est des Espagnols. Ok. Putain, je vous jure, je crois que je vais me foutre... Je vais m'enlever mes cornes. Bon, bref. Et voilà. Et donc, voilà. Il faut que j'attende de 14h qu'elle me rappelle, la secrétaire, pour prendre rendez-vous, pour enlever les cornes. Putain. Pour enlever cet implant. Voilà. Donc là, elle m'a prescrit une pilule. Pour le moment, elle m'a dit que je pouvais déjà commencer à la prendre. Donc... Je suis désespérée. Le pire, c'est pas ça. Hein. Le pire, c'est qu'elle m'a dit que je devais passer au bloc, en fait, pour me le faire retirer. En fait, je vais devoir faire une genre d'opération, en fait.
Parce qu'elle m'a dit, il faut voir avec l'anesthésiste. Elle m'a dit ça, j'ai dit, mais c'est pas possible en fait. Pour ça, en fait, passer au bloc. Je suis vraiment pas bien là. En plus, je tremble, je suis pas bien du tout. J'attends David, il va me rejoindre et on va aller au marché de Noël de Narbonne. On va manger un petit truc parce que là, franchement, je tiens plus là. Il faut que je mange un truc. Je suis toute vidée. Et voilà. Bon, allez, du coup, je vous reprends. Là, il est 15h58. Comme vous l'avez vu, on est allé au resto avec David. Franchement, on s'est régalé. On a passé un super moment. Ça faisait tellement longtemps qu'on s'était plus fait de resto comme ça à midi. Du coup, là, ouais, ça nous a fait super plaisir de se retrouver, de passer du temps ensemble. Donc, moi, ça va mieux au niveau tremblement et tout ça. Forcément, j'ai mangé, donc ça va mieux aussi. Par contre, là, mon bras se réveille et je vous dis pas la douleur, quoi. Là, la douleur, j'arrive pas à tendre le bras. Bon, bah, de toute façon, hein, c'était sûr, ça. Et ça y est, la secrétaire m'a appelé. Je dois aller. Je sais pas si on peut faire, si on peut dire ça, me faire opérer. Parce que c'est une petite intervention, en fait. Je dois aller à l'hôpital pour ça. Donc, j'ai rendez-vous mercredi prochain à l'hôpital. Voilà. Pour faire l'intervention, pour qu'elle puisse m'enlever cet foutu implant! Ouais, je dis ça parce que à la base, je voulais pas du tout un implant pour ces mêmes raisons. Alors déjà, c'est pas pour le fait qu'elle me le mette ou pas. C'était surtout ma question principale quand elle me disait oui, un implant, ce serait bien, Annie. Et moi, je pensais que au moment où elle va devoir me le retirer, l'implant. Je sais pas pourquoi, mais ça me tracassait ce moment. Donc, je lui en avais fait part. J'avais dit ouais, mais moi, un implant et tout, c'est sous la peau et tout. Elle me disait, elle me rassurait, elle me disait oui, mais vous inquiétez pas. Maintenant, c'est quand même des soins courants. On fait ça souvent. Les mettre et les retirer, vous inquiétez pas. C'est sous anesthésie. Enfin, on endort le bras, tout ça. Donc moi, je m'étais dit ok. Ben, j'aurais dû écouter mon instinct encore une fois et en fait ne pas sauter du tout le pas. Mais bon, au moins j'aurais essayé et j'aurais eu confirmation que l'implant n'est pas pour moi. Et en plus, encore moins, ben, depuis qu'elle ne peut pas me le retirer. Voilà, donc là je dois repasser au cabinet. David, il est rentré parce qu'il doit chercher les enfants. Je vous montrerai ce qu'on a trouvé sur le marché de Noël. Je suis allée aussi vite fait chez Sephora. J'ai acheté qu'un truc chez Sephora. On est allé aussi chez Yves Rocher, mais chez Yves Rocher, j'ai rien acheté. Et sur le marché de Noël, bon, je vous montrerai ce que j'ai. Mais avant ça, voilà, je suis garée et je vais chercher mes ordonnances et tout ce qu'il faut, en fait. Je suis ravie si vous saviez comment ça m'embête, ça. Mais bon, c'est comme ça, écoutez. C'est comme ça. Bon, ça y est, je suis enfin rentrée. En fait, ça fait un petit moment que je suis rentrée, sauf que j'étais au téléphone d'abord avec Justine, que vous connaissez maintenant, et avec ma mère, voilà, pour lui expliquer un petit peu toutes les péripéties qui s'est passé aujourd'hui. Je vous cache pas que là, mon bras, franchement, je le sens vraiment. Donc, je pense que je vais prendre un Doliprane. Ça pourrait peut-être m'aider au niveau de la douleur. Voilà, je pense que je vais prendre un Doliprane. Ça va peut-être m'aider. Donc, du coup. Alors déjà, quand j'étais à la pharmacie, du coup, ah oui, parce que je vous ai pas dit, elle m'a prescrit une pilule parce que elle m'a dit, bah, vous voulez faire quoi du coup après avoir retiré l'implant? Bah, je n'en ai aucune idée. À part peut-être faire la ligature des trompes, mais elle me dit oui, et sinon en attendant quoi. Bah, je dis bah repartir sur une pilule du coup parce que j'ai pas trop 36 millions de possibilités. Donc j'ai été à la pharmacie me prendre la pilule qu'elle m'a prescrite. J'espère de tout cœur que ça ira. On verra. De toute façon, je la commence pas encore. Je la commencerai la semaine prochaine quand elle m'aura vraiment enlevé l'implant. Et vu que j'étais à la pharmacie, je suis tombée sur ce parfum de Roger Gallet. Alors c'est une eau parfumée bienfaisante
Et c'est bois d'orange. Je l'ai vu sur le Instagram de Kelly. Donc Kelly, si tu passes par là, c'est à cause de toi que je l'ai acheté. Et en fait, quand j'ai vu qu'elle avait mis ça, qu'elle disait que ça sentait super bon, etc., ça m'a intriguée. Et je me suis dit, tiens, je vais sentir. Ah ben, je suis tombée amoureuse. Donc j'ai pris le petit format, hein, parce qu'il y a un grand format. Sauf que le grand format, il n'est pas donné. Donc voilà, je m'étais dit, j'ai pas besoin du grand format, j'ai quand même ce qu'il faut en parfum. Vous savez que j'aime bien tout ça, les parfums, moi c'est ma life. Donc j'ai quand même pris le petit format de 30 ml. Et il se présente comme ça. Et franchement, si vous passez en pharmacie, je vous conseille d'aller le sentir. C'est une odeur hyper douce. C'est une odeur de bébé. Voilà, franchement, ça sent super bon. J'adore cette odeur. Là, je suis tombée raide dingue en fait de cette odeur. Donc merci à toi Kelly de m'avoir fait découvrir ça. Voilà. Ensuite, sur le marché de Noël, il y a un stand spécial Alsace où ils vendent des petites choses d'Alsace, tout ça. Et j'ai vu ça. Ça, je pense que dans le sud, personne ne connaît. Il me semble, parce que j'en vois jamais. Hein. Et ça, c'est toute mon enfance. Bah, même moi, je connais pas. Toi, tu connais pas non plus? Bah oui, parce que personne connaît ici. Ça, c'est typiquement alsacien. C'est du pain d'épices. Nous, en fait, quand on était gosses, quand on était petit, on recevait ça, justement, aujourd'hui, le matin du 6. Ah ouais? C'est aujourd'hui la Saint-Nicolas, non? Bah, on est le 6. Alexa, quelle sainte aujourd'hui? Aujourd'hui, nous fêtons Saint-Azel, Saint-Nicolas de Bari et Saint-Nicolas de Lille. C'est la Saint-Nicolas aujourd'hui, donc voilà, c'est le 6. Et en fait, la tradition en Alsace, c'est qu'on mettait nos petites bottes d'hiver devant la porte et il y a le Saint-Nicolas qui passait nous apporter, en l'occurrence tout le temps, du pain d'épices, une mandarine, du chocolat. Mais je m'en souviens que quand j'étais petit, on le faisait. On le faisait, je le faisais en fait les premières années, ouais, parce que je savais pas qu'ici ça se faisait pas. Mmh. Et ici, en fait, dans le sud, ça se fait pas. Une boîte de Kinder Maxi. Ouais, parce que nous on recevait, on avait les bottes, mes bottes de gamin quoi, remplies de trucs. C'était un réel bonheur de découvrir nos bottes remplies avec plein de gourmandises et surtout les pains d'épices. Et du coup, ils en vendaient sur ce stand et genre j'étais même trop méga contente. J'étais trop contente quoi. Donc j'en ai pris 3 comme ça. Pour les enfants, donc un chacun et un gros pour David et moi. Voilà. Et ça, c'est trop mon enfance, quoi. Même ma grand-mère, elle gardait les photos, là, les images du Saint-Nicolas, elle les gardait, on les collait tout sur des feuilles. Enfin, voilà. Et ensuite, quand je suis passée chez Sephora, j'ai pris un eyeliner. J'ai un eyeliner que ça fait des mois que j'ai. Donc je voulais le renouveler et donc j'ai pris celui-ci. Et ma foi, il tient très bien puisque j'en ai essayé 2 en magasin et je me suis lavé les mains. Et celui-là donc a tenu au lavage et l'autre n'a pas tenu. Donc, donc je suis contente, c'est qu'il va bien tenir. Bah oui, c'est un waterproof. Eyeliner liquide intense, ça c'était 12 €. Voilà. Et franchement, il est hyper intense. Hein. Donc voilà, la pointe est toute fine. Voilà, bah c'est tout. Ah oui, et j'ai enfin trouvé le manteau de Aria. Sauf qu'elle est partie à la danse avec, donc je peux pas vous le montrer. Je l'ai acheté chez Orchestra. Voilà. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Il est 21 h 50 déjà. Et on n'est pas mécontent d'être au lit parce qu'on est claqué autant David. Parce que du coup, il s'est pas reposé cet après-midi. Et moi, avec ce qui s'est passé ce matin, je vous raconte pas quoi. J'ai un coup de barre là. Je suis explosée. Mon bras laisse tomber, je douille. C'est simple, j'arrive plus. En fait, je laisse pendre comme ça mon bras parce que j'arrive plus à le lever. C'est même pas la peine que je lève. J'ai gardé le bandage du coup qu'elle m'a mis dessus. Et elle m'a fait une ordonnance pour les pansements, que je suis pas encore allée chercher, mais que j'irai chercher demain. Pour pouvoir changer le pansement demain, peut-être. Mais elle m'a mis les strips
Et elle m'a mis un pansement par-dessus les strips. Donc si j'arrache le pansement, les strips, ils partent avec. C'est possible. Comment je vais faire ça, du coup? Moi, elle m'a dit d'enlever le pansement quand je l'aurai. Tu sais, quand je me serai douchée, et en fait, d'enlever le pansement là. Mais les strips, ils vont pas se barrer avec, toi. Avec l'eau aussi, mais même que si t'enlèves la... enfin... Parce que les strips, il faut absolument que je laisse. La dernière fois, tu te souviens plus que j'avais Ah non, enlevé? faut laisser, tu vas derrière J'avais moi. enlevé trop tôt et tout. Enfin bon, je fais que des conneries. Non, mais là, il faut que j'enlève le pansement en faisant attention de pas arracher les strips en dessous. Et ça, je sens que ça va encore être une cata. Mais bon, on va faire ça demain, on va essayer du moins. Déjà, je vais aller chercher les pansements dont elle m'a fait l'ordonnance. Mais autrement, j'espère que le vlog vous aura plu. Je fais de gros bisous et je vous dis à demain!